On débute cet agenda avec les années jouées. Pour la 12e édition du Festival des Arts de la Rue, la commune de Jouer-les-Tours vous invite à 3 jours de spectacle et de déambulation au cœur de la ville. Bizarre Bazar constituera le fil conducteur de cette 12e édition, provoquant le sentiment de l'étrange, de l'intrigant et du fascinant. Au rythme des années jouées, la ville s'ouvre sur une explosion d'idées et de genres. Autant de moments à savourer en famille, sans aucune modération. C'est aussi ce week-end que la ville de Loches se met aux sonorités du jazz pour la 11e année consécutive. Le Petit Faucheux offre à nouveau ce savoureux mélange de jazz et de patrimoine architectural. Ainsi, de nombreux et talentueux jazzmen envahiront les lieux les plus agréables, conviviaux et secrets de la ville pour un florilège de concerts permettant aux initiés comme aux profanes de découvrir toutes les facettes de cette musique. Vous serez les bienvenus au détour des rues, des terrasses de café et des parcs pour ce rendez-vous musical et convivial. Et si on allait découvrir une partie de l'histoire du sport ? C'est au château de Candé à Mont que vous pourrez arpenter tout l'univers du sport des années 30. Près de 150 objets appartenant aux héros sportifs de l'entre-deux-guerres vous attendent ce week-end et ce jusqu'au 6 septembre. Le château est ouvert de 10h à 18h. Ce samedi à 20h30, la boîte vocale fête la fin d'année de son école et vous propose un concert avec des ateliers pour ados et adultes, des chants du monde et du gospel. Une façon de finir l'année en beauté et en musique. Renseignements au 02 47 38 12 48. Enfin, ne ratez pas ce rendez-vous. C'est dimanche que la base 705 de Tours sera le théâtre d'un grand meeting aérien intitulé « Les ailes d'Europe ». Celui-ci rassemblera près de 70 avions civils et militaires venus de toute l'Europe. Exposition d'appareils et démonstrations de vol sont au programme d'une journée au cours de laquelle la Patrouille de France et le Rafale, pour la première fois aux couleurs de l'armée de l'air, seront des stars très attendues. L'ouverture au public est de 10h à 18h. Sensation forte garantie. Très bon week-end à tous !